Salut à tous, on se retrouve pour la suite du Let's Play de Shadow Hearts 2. Alors, dans la vidéo précédente, on en avait fini avec la ville de Southampton et nous avions trouvé un moyen de rejoindre le pays de Galles. Pour cela, il fallait traverser la mine de Rhonda. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas regardé si cette mine existait ou s'il y avait une histoire. Je pense qu'il a dû s'y passer quelque chose parce que s'ils en parlent, vu qu'ils utilisent beaucoup des endroits réels, ouais, à suivre. Vu qu'ils ont parlé d'un accident, c'est pas impossible qu'il y ait eu un accident dans cette mine. Je sais pas, faudra que je pense à regarder. Bref, en tout cas, on doit la traverser afin de rejoindre donc notre destination du Pays de Galles. Allez, c'est parti. Bon, on avait fini avec le métro, on s'attaque à la mine. C'est pas cool. Alors, ouais, je dirais d'aller à gauche. Si vous mettez un truc avant. Allez, combat. Alors, des propolis. Bon, je suis absolument pas chaud. On va voir un peu. Hop. Vous voulez que j'augmente le nombre de coups qu'elle puisse faire là. Je vais en faire que deux. On va voir si on peut faire bien. Non, pas moyen de les tuer. Hein. Il manque, je passe à la phase entraînement. Bon, je sais pas du tout quand, mais au moins pas nécessaire, on va dire. Oh merde. Ben, le truc c'est que j'ai pas eu l'occasion de trouver un bon endroit. Hein. La meilleure chose pour s'entraîner. Alors là je sais pas ce qui va se passer. Ah je sais pas, il y avait marqué roue aléatoire. Mais... Ouais là j'ai pas trouvé le bon endroit encore pour m'entraîner. Parce que pour bien s'entraîner il faut... Ben, il faut un endroit pour se soigner, hein, c'est toujours mieux. Hein. Alors on va aller par là. Oh putain encore un cul-de-sac. Voilà, on va aller encore à gauche. Cet objet. Mets de la tri. Alors, on va remonter. Voilà. Allez, encore à gauche. Ah, un cul-de-sac. Cul-de-sac, un coffre. Graines de mana. Bon, à chaque fois, hein, on ne trouvera jamais des choses exceptionnelles, mais. Comme toujours, on essaye de tout prendre. Surtout que quand c'est un let's play, ben. Et merde, putain, décidément, hein. On a tendance à aller vite et du coup, on rate les choses. C'est-à-dire que pas besoin de s'entraîner si je suis pas capable de réussir les coups. Voilà. Allez, Joachim. Voilà. Ils vont me défoncer. Voilà, bon, un coup ça suffisait, c'est pour ça que j'ai pas forcé à y ouvrir. Alors là, on va se frapper des combats aléatoires. Hein. Oh. Et on va essayer d'un peu tout fouiller. Voilà, on va soigner Yuri parce que c'est plus que nécessaire. Voilà, ça va mieux. Allez, on va voir en haut ce qu'il y a. Et après, on viendra vers la droite. À moins qu'il y ait encore un chemin à la con là. Non, on dirait le cul-de-sac encore. Bon, il n'y a rien. Un petit objet, non? Sûr? Certain? Putain, il n'y a rien. Bon. Allez, on redescend. Descendons.
On va aller jusqu'au point de sauvegarde, voir si j'ai rien oublié. Bon. Ah, le fait de pas les tuer un coup, c'est plus que chiant. Oh. Déjà le fait d'en tuer deux, pas de combo. Ah, j'ai empoisonné au... C'est un miracle. Ah, il est mort. Oh, Gepetto, je sais pas si vous avez vu, il lui manque un point d'expérience pour prendre un niveau. Bon, perso, je m'en fous puisqu'il joue pas, mais... Alors... Ah, ben j'en ai zéro de... Ben non, j'en ai un. Et là, j'en ai deux. Bon, on va mettre ça... Voilà. Ouais. On va voir ce qu'il y a déjà là. Il n'y a rien du tout. Bon, allez, on va au point de sauvegarde. Donc n'oubliez pas d'aller à gauche. Si jamais vous refaites le jeu, il y a un billet de loterie et il y a... c'était quoi déjà? Une graine de mana, je crois. Alors, cul-de-sac. Enfin, cul-de-sac, intersection, à gauche ou à droite? Bon, allez, on va aller à droite. Oula, il y a une nouvelle ennemie, vert de Lampton. Ah, ouais. Bon, il va mourir comme les autres. Hein. Ah, il a beaucoup de vie en tout cas. Eh, trois attaques, il est pas mort. Il a fallu 4 coups quand même, hein. Enfin 4 attaques. Ouais. Pas beaucoup, beaucoup. Hein. Ouais, je crois que j'aurais peut-être dû prendre la gauche. Hein. Le chemin il a l'air d'être un peu long. Ah, peut-être pas. Cul-de-sac. Coffre. Pas de coffre. Objet. Graine de terre. Bon. Allez. On fait machine arrière. Bon, ben c'est cool parce que ça fait deux fois d'affilée que j'arrive à tomber sur des cul-de-sac. Et c'est bien parce que si j'avais trouvé le bon chemin du premier coup, eh ben malheureusement, je serais passé à côté. Bon, un combat encore. Oula, encerclé. C'est pas cool ça. Ouah, je vais morfler. Ah, il s'est transformé en chauve-souris là. Ça c'est vraiment un truc d'enfoiré, hein, pour être honnête. Parce que tous les persos sont côte à côte. Et il faut en sorte de vous faire que des attaques de groupe. C'est vraiment un truc de... Encore, je vais rester poli, je vais rien dire parce que sinon je... Alors vous avez vu qu'il y a une chauve-souris. Ben la chauve-souris en fait, c'est bien évidemment Joaquin. Et sa force de frappe est multipliée par je sais pas combien. Donc on va crever lequel. Ah, les deux. Ah. Deux coups, il était à 70 déjà.
c'est chauve-souris. Ah ouais, au bout... De temps en temps, il se transforme en chauve-souris, Joachim, et je peux vous assurer que ça vaut le coup. Bon. Allez, on va soigner tout le monde. Ça, c'est vraiment des combats de merde, là. Ah, mais il a encore un chauve-souris, c'est cool. Allez. Est-ce qu'il y a une définition, une différente personnage chauve-souris? Voilà. Il y a un truc différent. Quand Joachim veut se relaxer, être seul, partir en mission, il se transforme en chauve-souris doré, qui ne peut pas lancer d'attaque spéciale. C'est vrai. J'avais oublié ce détail. Mais sa puissance d'attaque est très élevée, quoi. Bon, il n'y a rien. Bon, dans mes souvenirs, il n'y a pas d'objet. Bon, tout à l'heure, c'était le billet de loterie. J'ai eu un petit peu par hasard, mais... Ah, oh putain, il y avait une coffre, là. Ouh, j'ai failli passer à côté. Alors. Wow, on va aller par là. De toute façon... Ah. Oh là, il y en a des chemins. Alors, on va encore aller à droite. Ah, et si on changeait un peu les rôles, bande d'enfoiré, hein. Allez, hein. Il n'y en a pas un qui m'a envoyé Brille devant tout à l'heure. Ah, mais j'arrive pas à vous avoir tous, là. Allez, là, je peux en avoir deux. Ah, les deux. Parce qu'il y a les deux trucs rouges au-dessus d'eux. Les deux triangles rouges. Normalement, j'ai les deux. Voilà. Chacun son tour. Victoire sans dégâts. Ouais, ils vont me donner 36 d'argent. Bon, je prends tout, moi. De toute façon, vous le savez. Hein. Alors, à droite ou en haut? Là, il y a un cul-de-sac. Ouh, petit coffre. Galet à aiguiser. Si t'avais la forme d'un os, c'est pour toi. Ah ben je l'avais déjà. Allez, on revendra. C'est pas un problème. Allez, on va aller en haut cette fois-ci. Ah ben je reviens au même endroit. Enfin, j'ai l'impression. On va voir. Ouais, là j'y suis jamais allé. Là y'a rien. Ah. Billet de loterie. Putain, à chaque fois que je veux lire un document, il y a un objet. Ça avait fait pareil dans la forêt. Allez, combat. Bon, les billets de loterie, j'en ai gagné deux d'affilée, donc ça fait plaisir. Ah, c'est bien que je trouve mon chemin directement parce que c'est chiant de se perdre dans ces labyrinthes là. Quand pour l'instant la mine se passe plutôt bien, hein, on va dire ce qu'il en est. Hein. Bah ces combats, de temps en temps, ils me tiennent perso, mais bon. C'est le début du jeu. Les persos sont pas encore au top. Il est vraiment fort hein, en chauve-souris. Bon, c'est pas grave, il est mort. De Terra, c'est bien. Ah, Blanca est après niveau. Ouais, rappelons que si je fais cette équipe là, c'est. On dirait que ça descend. Allez. Si je fais cette équipe là, bon, Yuri, c'est par obligation, mais aussi par nécessité. Hein, c'est le meilleur perso pour moi. Karine alliée parce qu'elle est forte. Et que je préfère l'avoir dans l'équipe. Blanca, c'est pour augmenter son niveau. Ah, oh putain. Pour sa quête des loups. Et enfin, Joachim, c'est parce que lui aussi il est fort. Hein.
Je suis l'âme de la roue, la volonté de la roue du jument. Bon, il dit toujours pareil, c'est un blablabla, ça c'est clair. Je peux le voir, ton futur. Vas-y, baby. Ok. Yuri, arrête d'être méchant avec la pauvre âme de la roue. Je ne suis pas méchant, il avait juste l'air un peu déprimé, alors j'essayais de le faire un peu rire. Je ne suis pas l'esprit de la roue. Arrête, Yuri. Je suis désolé, il ne le pensait pas, esprit de la roue. Des fois, il dit des bêtises, mais c'est un gentil gamin. Je suis un gamin maintenant. Tu as entendu ça? Il soupira. Je te confie cela. Multi-attaque. Ah, c'est cool ça. Le pouvoir de commander à la roue, blablabla, blablabla. Bla. Merci. Je reviendrai. Hop, hop, hop. Voilà. Il est parti. Il est vexé parce que tu as été méchant avec lui. À quoi tu pensais? Tu le penses vraiment? Bon. Pas trop si les traductions, c'est vraiment ça, mais. Alors, on a gagné un nouvel outil attaque qu'on va mettre. Ah, Yuri. Oh là là. Ah oui, c'est vrai, il faut pas cliquer, il faut tourner. Premier, il est chiant. C'est vrai que toi aussi, le premier, il est. Ouais, non, il est gros quand même. Voilà. Bon, autant on les a, autant les utiliser. Allez, on continue. Alors, on monte ou on monte pas? Bon, on va pas monter, on va aller à gauche. Oh putain, ça descend maintenant. Allez, on va descendre. Oula, ascenseur. Non, on va pas y aller de suite. On y va ou on n'y va pas? Non, on n'y va pas, on n'y va pas, on va y aller après. Il y a quoi là? Il fait noir. On n'arrivera à rien comme ça, il nous faut de la lumière. Ah, bon. Bah alors on va y aller, hein. Obligé. Il doit avoir. Je sais pas. Honnêtement, ça fait super longtemps, je me rappelle plus. Oula, il y a du monde. Ouais, donc du coup, probablement qu'il faut descendre avec l'ascenseur et aller récupérer quelque chose qui va nous permettre de. Non. D'allumer. Ça me fait penser qu'il faudrait que. Je récupère d'autres fusions. Oh putain, mais alors pourquoi j'ai pas pu? J'essaye tellement d'avoir les critiques que. Bah je les rate. Au moins j'en tue un là. Oh putain, je peux pas gagner. Un coup critique. Oh, coup critique, il est pas mort quand même. Ah, il est pas easy. Putain. Allez, à toi. Oh. Ah. Possible ça. Encore vaut mieux les rater maintenant que contre le boss. Hein. Ah là, c'est. Allez, là. Voilà, vous avez vu, j'ai cliqué direct pour être sûr. Ah. Bon,
pas dire que j'ai forcément bien joué le coup. Du coup, Karine en est morte. Ouais, bah elle serait morte quand même. Allez, c'est bon. Ils étaient bien chiants, hein. Allez, je prends niveau tous les deux. Joachim et Yuri. Maintenant, on va soigner tout le monde. Alors, Blanca, toi. Yuri. Oula, toi. Et toi. Allez, donc du coup, on va prendre l'ascenseur. On va voir un petit peu. Cet ascenseur descend. Allons-y. Ah, mais c'est... Ce qui est bien vraiment ce jeu, c'est que vous avez toujours envie de connaître la suite. Et save. Bon, je crois pas qu'il y ait le boss maintenant quand même. Bon, on va sauvegarder. Parce que peut-être qu'il y a le boss. J'ai pas envie de me faire déchirer. Bon, j'ai pas spécialement peur, hein, pour être honnête. Mais bon, sait-on jamais. Ce serait con d'avoir un excès de confiance. Surtout qu'il y a une porte, je sais pas. Je sais pas où je vais là. Ah, c'est tout. Pour récupérer ça. Ils m'ont mis un coup de pression là. Je croyais qu'il y avait un boss moi. Juste pour récupérer la lanterne. Ça va. Allez, on remonte. Alors, par contre, avant d'aller à l'endroit... Enfin, avant d'aller à gauche où tout était noir, on va revenir sur la pièce précédente. On va voir s'il n'y a pas un objet à récupérer. Parce que si la pièce était sombre à gauche, c'est que c'est la suite du niveau, tout simplement. Donc on va faire un petit tour à l'endroit où nous ne sommes pas allés. Pas, c'est la pièce qui monte, voilà. Allez, montons. Ah, moi, est-ce que je viens de là? Putain, je sais plus. Ah ben non, merde. Ici aussi, il fallait la... Bon, on va voir ce qu'il y a. Aïe, 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 une porte en bois. Bon, j'ai sauvegardé au pire, hein. Ah, de toute façon... Ah, bon, ça va. Je serais reparti en arrière. Et alors? Il doit y avoir un truc à faire, ici. Allumer, peut-être? Non? Saut de vitesse. Vous voulez voir à quoi ça ressemble? Ah, ça va. Un des 7 objets en argent sculptés, protégés par le dieu Enjin Krishna... stimule l'énergie magique de son détenteur en augmentant ainsi son pouvoir. Ouais. Bon, bah... En fait, c'est juste une source de rapidité, hein, l'équivalent d'un FF7. C'est tout, que ça. Bon. J'ai bien fait de venir, mine de rien. Ouais, j'ai eu un peu peur que la porte en bois désigne la fin de... la transition de la mine, quoi, la fin. Ben non. Donc du coup, je ne pense pas avoir oublié beaucoup d'objets. Oh putain, encore en bas. Bon, techniquement, faut toujours aller en bas. C'est toujours un cul-de-sac. Techniquement. Hein. À moins que vous veniez d'en haut. Oh là là, ils vont me faire tous leur attaque. Hein. J'espère qu'il y aura encore une sauvegarde avant le boss, que je puisse utiliser une tente. Et encore cette fois-ci, j'aime pas tous utiliser la magie. Allez, on
va se dégager de là. Oh putain, c'est pas vrai ça. Comme ça, tout combo, non, j'avais pas vu ça. Ah, combo, j'ai pris un coup. Bon, je l'aurais tué quand même de toute manière, mais. En tout cas, même s'il y a beaucoup de combats aléatoires et que j'ai raté pas mal de roues, hein, on va dire, aujourd'hui. C'est un énorme plaisir de jouer à ce jeu, de vous le proposer en let's play, parce qu'à la différence de Final Fantasy, vous avez juste besoin d'appuyer sur 3, là, chaque attaque, il faut être concentré. Que je ne suis pas tout le temps, d'ailleurs. C'est pour ça que des fois, je me manque. Ah oui. Bon. Pas d'objet. Alors, on va encore descendre. On va tourner. On tourne. Allez, on tourne. Circuit, 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 circuit. Putain. Ouais, bon. Donc, il nous reste à aller en bas. Ici, peut-être. Pas du tout. Ouah, il y a trop de chemin là-haut. Là, 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 j'ai beaucoup de chemin à revoir là. Oh, ces combats, putain. Au bout d'un moment, c'est lourd. On a combien de vidéos là? 27, bon, ça va. Oh, qu'est-ce que là, Karine, elle est fatiguée? On va soigner. Ah ouais, putain, elle est fatiguée, elle est rouge sang. Hein. Ah, yeah. Quel coup critique, celui-là. Bien. Oh, les persos seraient-ils devenus plus forts? Alors, on va soigner tout le monde. Ah merde, j'ai plus de... Ah! Alors, qui c'est qui a de la Karine? Salaud. Salos. Alors, hop, Karine, remède. Alors, comment économiser les objets en changeant le symbole sur les personnages? Bon, là, par contre, c'est la... J'ai au moins une... 12... Oh, putain, il y a encore une intersection. Ah, il y en a trop. Il y a trop d'intersections, là. J'ai mis peur. Oh, on va continuer à la droite. On va bien finir par arriver... quelque part. Oh là là, il y a l'eau et tout. Une grotte. Oh, qui c'est celui-là? Écoute, j'aime pas les gens. Pourquoi tu penses que je reste planqué ici? Laisse-moi tranquille. Oh, il y a un membre de la loterie dans les grottes. Oh putain, la sauvegarde, elle est loin en plus. Attends, j'ai combien de billets de loterie? Bon, allez, on va essayer une fois. Troisième clé. On m'en fout de ça, c'est pas ça que je voulais. Alors, on va réessayer. Yeah.
Yes! Tadam! Troisième clé, on s'en fout, mais je prends. Y a pas de suite là. Ah non. Bon, alors j'ai trouvé un mec qui joue à la loterie, mais alors vraiment. Troisième clé, ça sert à quoi déjà ça? Fait tourner la roue jusqu'à 3 fois si action réussie. Ah ouais, bon, je sais pas, un objet que j'utiliserai jamais, mais. Au moins on l'a gagné. Ah, un peu. Non. Bon, bah déjà on a trouvé un cul-de-sac. Tant bien que mal. Je vais revenir. Alors en fait, j'ai peur que si je vais en haut, ça soit la suite du jeu. Donc je vais repartir tout en arrière. Oh là là, arrêtez de m'encercler, putain. J'ai un chat noir dans l'équipe, quoi. Voilà toi. Ils savent plus quoi me faire. Bon. Alors, on va voir. Pas voilà toi, mais pas obligé. De trouver tout ce que j'ai raté, si j'ai raté des choses, mais je préfère fouiller et en avoir le cœur net. N'oublions pas que le but du let's play c'est de se rapprocher des 100%. Ah ouais, c'est dommage que j'ai pas un truc à la FF8, la no combat. Oh, très bon ça. Bon, du coup, il y a de fortes chances qu'en haut, ce soit la suite du niveau, donc on va pas y aller de suite. Donc on va aller en bas. Cul-de-sac, bien. Cul-de-sac, y a rien du tout. Putain. Allez, on remonte. On redescend maintenant. Putain, à droite, y a rien, là, c'est horrible. J'aurais mis un objet, moi, un coffre. Ah, et encore un combat. Ah, arrêtez de m'encercler, hein. Oh là, c'est chiant. Bon, de notre côté, hein, faut voir le côté positif. Hein, gagner, faire des combats, vous gagnez de l'argent, vous gagnez de l'expérience. Ok, il s'est mis en mode invisible. Ouais, Joachim, il est très particulier. Hein. Là, il est en mode invisible. J'espère qu'on peut pas l'attaquer. C'est Joaquin quoi. Mais je vous dis, si jamais vous n'aimez pas le personnage, ce qui m'étonnerait parce qu'il a un bon délire à lui, vous allez finir par l'apprécier. Hein. Il a pas mal d'avantages. Hein. Déjà le fait qu'il se transforme en chauve-souris, ce qui multiplie sa puissance par je sais pas combien. Des fois il se met invisible, la nuit il peut plus l'attaquer. Il y a pas mal d'avantages à avoir Joachim dans l'équipe. Allez. Là, d'un côté, le fait de faire des combats, Karine devrait prendre un niveau. Rappelons qu'il y a de très, très, très fortes chances qu'à la fin des mines, se trouve un boss. Alors, on va aller par là. Encore une intersection, c'est pas possible! À moi, est-ce que je reviens? Bon, allez, on va essayer par là. Encore une autre! Il y a trop, là. Il y a trop! Trop d'intersections, là. De pouvoir les tuer un coup. Invisible, il s'appelle maintenant. Ah, je vais mettre en attaque de merde.
j'aime ça. Ouais, j'ai un cours de magie là. Oh. Ah, le prochain combat, Karina le monte, et à mon avis, on le fera ce combat. Donc, je sais même plus où je suis là. Alors, soin. Oui. 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 Allez. Alors là, il y a un cul-de-sac. Et allez, pas d'objet. Putain. On frappe tout le cul-de-sac pour rien. Je viens où là? Ouais, je viens en bas. Alors, on va à la gauche. Oh, t'as un coffre. Rapière. Ah, bon, ben voilà. Alors, rapière. Oh, vous avez vu la tête qu'il a? Ah, attendez. On va voir. On va faire profil par curiosité. Merde. Personnel invisible. Joachim sous sa forme invisible. Tant qu'il ne fait pas de mouvement trop large, Joachim ne peut être visé par ses ennemis pendant qu'il est invisible. Alors, merde. Oh putain, je voulais voir la rapière. Je crois que je l'ai déjà, mais... Vous avez vu d'un côté de fouiller? Oh, on trouve une nouvelle arme pour Karine. Bon, certes, il y a de fortes chances que je l'ai. Mais c'est une nouvelle arme quand même. Enfin, une arme quand même. Allez, tue-le, tue-le. Putain. Allez, on le tue. Ouais. Donc là, normalement, Karine devrait prendre un niveau. C'est bien. Oh, la rapière. Ouais, je l'ai déjà. On revendra, c'est pas un problème. Hein. Alors, du coup, on va repartir en arrière. Non, si, si, c'est bon. Voilà, on arrive ici. Ici. Non, je suis pas allé en bas. Ah. Graines de pure. Yes. Bon. Eh ben, je crois que j'ai fait tous les chemins qu'il fallait. Donc maintenant, on va retourner à l'endroit tout en haut là, et probablement il trouvait le boss, fait, j'espère. Pas que je me languis d'affronter le boss, mais d'un côté je me languis quand même de sortir de des mines. C'est pas mon endroit préféré. Quand je mets 100 temps à faire les combats là. Et encore heureusement que j'ai acheté des armes à 60 tonnes parce que sinon. Pouah, je mettrai encore plus de temps. Super. Et là encore en haut. Logiquement, à droite il y avait le joueur de la loterie. D'ailleurs, j'ai usé un billet de loterie. Enfin, deux même. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours sauvegarder. Bon, là la sauvegarde en l'occurrence elle était vraiment trop loin. Je serais même pas y retourner à la sauvegarde là. Et pouf! Il y aurait du chemin à parcourir. Alors lui, on va essayer de le tuer avec la chauve-souris. Oh non, c'est impossible.
102 de dégâts, mais je l'ai pas tué. Allez, tenez le coup. Encore une intersection, putain, c'est pas possible. Allez, on va aller à gauche. Oh putain, il y en a encore trois. Ah, plus de sac ici. Ah putain, un coffre. Après, on va descendre, comme d'habitude. Bon, allez, on descend. Oh là là, il y a un ascenseur. Alors, on va remonter. Ah, alors, une porte. Ah, c'est toi. Bonjour, vous êtes encore là? Bonjour, vous avez dit bonjour, c'est grossier, vous savez. Vous avez une amende pour avoir été grossier. Achetez quelque chose, sinon je ne vous le pardonnerai pas. Allez, on va acheter un truc. Alors. Celui-là, je l'ai pas, mais... J'achèterai quand j'aurai plus d'argent. Ah, oh, casque clouté, il augmente tout le monde. Bon allez, c'est déjà... Allez. Ok. Ah ben 20%. Voilà, je me suis gagné 20%, c'est bien. Et on va vendre. Voilà, nickel. Alors. Faut m'augmenter la défense. Tu as combien de défense toi? 39, 37, 36. Putain, il y a de moins en moins. Et toi, combien? Bon, mais toi, tu joues pas. 37. Allez. 38. Bon, c'est pas exceptionnel, hein, je suis d'accord, mais... attendez, je vais en acheter un autre. Je vais l'acheter pour Yuri aussi. Ah, et j'y suis, je le prends pour Joachim aussi. Ça m'a coûté 960 au lieu de 1002. Lui, je le fais travailler, donc il est content. Et toi, au moins... Ah, bah, tu avais rien pour te protéger en défense. Ah, bah, allez, voilà. 41. Voilà. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours un plus. Ouais, j'espère que j'aurai des tentes. Allez, du coup, on va repartir en bas et on va. Ben, on va voir. Hein. On va
Voyons où il va nous mener. Ouais, c'est un peu ça en fait. Hein. Voyons un peu où on va arriver. J'espère qu'on va arriver bientôt à la fin de la mine parce que. Ah, oula, point de sauvegarde. Allez, j'ai compris. Objet. Tente. Voilà. Alors, nous sommes à combien de vidéos? Nous sommes à 45. Allons-y alors. Ah. Graines de pur. Je prends. Plus de musique. Aïe 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 aïe. Bon, on a droit à un petit boss, enfin un boss, hein, petit je crois pas, mais... Ah, cette musique, elle est sympa. Allez, hein, go, hein, je suis censé avoir peur là, donc j'ai peur. On va voir un peu ce qu'il a dans le ventre. Ouf! Je vous dis, c'est bon d'être, de tout réussir, mais c'est pendant les boss qu'on voit si vous êtes au top ou pas. Alors... Voilà, perfect encore. Il va jouer là. Rapidité d'action augmentée de 133%, putain, c'est tout. Bon, allez, on va se mettre en fusion. Faudrait, ouais, faudrait vraiment que j'aille en chercher des nouvelles de fusion. Si j'ai le temps, je vais après le boss. J'espère qu'il craint l'eau. Oula. Alors... Ah putain. Allez. Lui, il faut pas le rater par contre. Voilà. Attaque physique diminuée de 30%, c'est bon ça. Il m'a enlevé deux. Deux. On t'a lui. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Non, parce que je veux bien qu'elle soit diminuée de 30% son attaque physique. Mais pour en arriver à 2, c'est qu'elle était de combien? Un chauve-souris, Joachim, il lui fait la misère. Ah, voilà. Bon, non pas que je sois content qu'il me massacre, mais je comprenais pas pourquoi il m'a enlevé 2. Alors, je t'ai enlevé la moitié de ta barre de vie, on va attendre encore un tour avant de se soigner. Si jamais... Rapidité d'action diminuée de 50%, hein, ben c'est bien. Voilà. Ah, s'il y en a vraiment où il faut être concentré, c'est joli, hein, chauve-souris. Comme quoi, oh, ça perd beaucoup là. Combien Ah, oh, ça va, Blanca, il est bien. Allez, à chevelure. Et tu l'as pas tué? Voilà, à mon avis. Il échappera pas.
Voilà. Facile. Facile, facile. Alors, je gagnais murmure. J'ai gagné des sous, l'expérience, des armes. Que du bonheur. Ouf, j'ai pris pas mal de niveaux, c'est bien. Eh ben, je ne m'attendais pas à ça. Je parie que c'est l'endroit où a eu lieu l'explosion. Allez-y, vous deux. Oh, il y a un coffre. Hop, hop, hop. Il y avait un coffre. D'autre part là. Saut de force. Bon. On va voir s'il y a un petit truc à gratter quelque part. Non. Non, mais bon, s'il y a un coffre, je pense pas qu'il y ait un truc. Alors. Pourquoi il y a deux chemins là? Ah, c'est juste pour faire le tour. C'est con ça. Bon, allez. Je vois qu'il y a la flèche blanche pour m'indiquer d'aller par là. Et nous voici donc sortis de cette putain de mine. Et on arrive au Pays de Galles. Mais ça, ça sera pour la prochaine fois. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller dans le cimetière. Et on va essayer de récupérer un petit peu des fusions. Parce que bon, ben, l'eau, c'est bien gentil. Mais au bout d'un moment, on va voir s'il y a autre chose. Donc on m'avait demandé de prendre le feu. Je vais essayer de prendre le feu. Donc ça, c'est l'eau. Et ça, c'est les ténèbres. Donc c'est pas ici. Avec cette musique de psychopathe et jean de Forbidden Siren. Alors, on va aller là. Ah, la porte des commandements du ciel, des intuitions, peut-être. Non, non, non. Bon, fond, je m'en fous de ce que tu racontes. Allez, le feu. Alors. Et nous voici donc en possession de Caryl. Alors, puisque nous y sommes. Barbarie. Et là, on est bloqué. Allez, on repart en arrière. On va aller chercher celui-là. Bon, ça, vous êtes censé le faire dès que vous avez 40 âmes. Hein. Bon, personnellement, pour l'instant, on n'en a pas eu besoin, quoi. Donc, c'est pour ça que... Alors, là, on va récupérer... Arados. Puera. Et on ne peut plus. Allez, je vais aller chercher les deux autres. Enfin, ouais. L'eau, je l'ai déjà, mais je prends le niveau 2. Et l'autre, ça doit être les ténèbres. Au moins comme ça. Ici, c'est pour aller où déjà? La porte du labyrinthe, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, bon, on ira plus tard là. Je sais plus trop ce qui se passe, mais. Sûrement, ça servira plus tard. On va aller faire nos petites fusions, nous. Donc vous avez compris qu'il faut utiliser les âmes des combats pour récupérer donc de nouvelles fusions. Donc pour l'instant on peut en récupérer jusqu'au. Enfin on peut récupérer le niveau 1 et le niveau 2. Du feu, eau, ténèbres et lumière, je crois. Mais pas plus. Et si vous voulez augmenter
une fusion en particulier, il faut aller sur cette fusion et lui donner de l'expérience en fait pour qu'elle prenne un niveau. Donc on essaiera de faire le maximum. Nox. Allez, la dernière. Et voilà. Orsix. Orsix, je crois. Voilà. Donc déjà, on a récupéré ça. Depuis le temps que je devais le faire, cette fois-ci, c'est bon. Certes, un petit peu tardivement, mais encore une fois, c'est pas comme si on était désespéré. En tout cas, merci à tous de regarder ce let's play. Il prend la vidéo va se terminer là. On verra un petit peu ce qui se passera au Pays de Galles dans la prochaine vidéo. Bon, vous avez compris que je prends mon temps, je fouille, je cherche les coffres, les objets. On se promène, on prend du plaisir. Hein. De toute manière, ce let's play est vraiment basé sur le plaisir. On en a fini avec les mines, Pays de Galles, et après je sais plus trop où on va, mais on verra un petit peu. Donc merci de regarder mes vidéos, mes let's play, d'être abonné si c'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Et pensez également à soutenir la chaîne en allant soit dans le lien de la description sur le lien YouTube, et de regarder quelques pubs, ou alors de faire un don directement sur la page d'accueil de ma chaîne YouTube. Je vous en remercie par avance. Sur ces belles paroles, portez-vous bien et à la semaine prochaine. Merci encore. Ciao, ciao.